es-tu? Je suis là, maman. Alec! Mais... Cher enfant, où étais-tu passé? J'étais là, derrière, maman. Ton père est furieux. Est-ce que l'herbe fait un son quand elle pousse? Et la voiture attend, pressons, nous devons rentrer bien vite à la villa, non? Toi.
toi. Hé, hey, tu serais pas celui qui parle drôlement? Je suis Ben. Qu'est-ce que c'est? C'est un crâne. Il est à moi, Ted. Rends-le-moi, Amélie. Je l'ai trouvé, il est à moi. C'est pour c'est pour quoi faire? Ben, je crois que c'est pour la crème. Tu veux voir tout? Oui, fais-moi voir. Il t'appartient.
naturel, s'il faut y croire, présuppose une classe de gens ignorants et abrutis. C'est juste. Monsieur Darwin serait le premier à le dire. Un homme ne peut s'élever dans la société sans avoir d'abord à écraser un pauvre pauvre ou un autre. Mais M. c'est vrai. Darwin parle. Ce qu'il dit presque, c'est que l'homme ne peut s'élever dans la société sans avoir un peu de sang bleu dans les veines. Ce que vous dites n'a vraiment aucun sens. Je prétends que l'éducation est la solution. Montre aux pauvres à lire et ce sera le désordre dans les rues. Sornette, amenez-moi un pauvre air, un mendiant, un raté, une traînée. En 6 mois, je vous l'amène dîner dans les plus grands clubs de Londres. Tu devrais peser tes mots, Melville. Pouvons-nous connaître votre opinion, Monsieur Bell? Excusez-moi, je vous laisse... Non. Quelle est votre opinion? Eh bien, je crois que la valeur d'un homme n'est pas déterminée par la classe ou l'hérédité, mais par ses actions. Les pauvres, ceux dont on abuse, les infirmes et même les criminels sont capables de grands gestes, autant que nous tous. Vraiment, c'est dangereuse parole, Melville. Oui, il a pris ça à Londres. Des gens bien élevés, non? Pas des bouffons. Papa. Au revoir, papa. Hey! Et je l'ai appelé langage visuel. C'est l'alphabet universel, messieurs. Une ligne courbe signifie une consonne. Une ligne droite est une voyelle. Une ligne qui est dans une courbe est une consonne orale, ainsi de suite. Pourquoi expliquer puisqu'il est si facile de démontrer? Possible. Quelqu'un aurait-il la gentillesse de vouloir nous donner un son? N'importe quel son, quelle qu'en soit la langue. Impossibilité. Impossibilité, oui. Impossibilité. Alors, un. Pop, 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 pop. Alechtheim. Familia. Jeremy Schneckatz. Karaina. N'es-tu pas nerveux? Oh, un tantinet? Pourquoi donc crois-tu que je m'amuse à faire ceci? Messieurs? Monsieur Melville James Bell et Monsieur Alexandre Graham Bell étudie ce système depuis à peine 5 semaines. K-R-A-M-A. Eh bien, c'est du japonais, Karaina. Je ne reconnais pas ce langage, mais le mot se prononce Wadulisi. D'une tribu amérindienne du Cherokee, il me semble, pour sucre d'érable. Incroyable, oui, absolument. Ted, le dessin, j'aimerais le revoir. C'est ça.
Allons, Ted, ce n'est qu'un mouton. Là, cette espèce de saillie en forme de triangle, c'est sûrement les piglottes. Ted. Ted. Papa. Rembourré de coton. Et la langue est composée de plusieurs petites languettes. Et quand je bouge ceci, tu vois, chaque section bouge comme une vraie langue. C'est affreux, Edith. Ah, moi, je la trouve magnifique. Là ? Ouais, ouais. Elle parle sans cesse. Elle parle ? Vas-y. Qu'est-ce que vous racontez ? Et c'est... Ted est mort ce matin de consomption pulmonaire à 4h10, à l'âge de 18 ans et 8 mois. Il est mort sans reprendre conscience et sans souffrir. Puisse-t-il en être ainsi de ma mort? On dirait un drôle de bruit.
comme un bourdonnement. Qu'est-ce que c'est? Une vibration sympathique. Sympathique quoi? Vibration. Ça épate la galerie. On le fera un soir où on aura des cow-boys à dîner. Des cow-boys! Quelque peu idiot, des fardeaux pour notre bonne société.
Mes pupilles saisissent exactement tout ce que vous dites. Je soupçonne qu'il n'ait pas vu vos lèvres, Monsieur Bell. Évidemment. Mais j'ai quand même réussi à mettre les doigts vers... Puis-je ajouter un petit quelque chose? Bien sûr. J'ai découvert, et cela durant ces nombreuses années, Monsieur Bell, qu'il vaut mieux traverser la vie étape par étape. N'est-ce pas simple et raisonnable? Mon nom est Alexandre Graham Bell. Ceux d'entre vous qui ont saisi ce que j'ai pu dire, levez la main, je vous prie. Émane de la bouche avec des vibrations quand on parle. Et qu'est-ce qu'une vibration alors? Très bien. Bon. Excellent. Visuel a un but.
création d'une langue universelle. Et voilà. Ce n'est que cela. Et ça suffit. Veux-tu, s'il te plaît, l'enseigner avec moi? Non, papa. Bien, c'est très clair. Très clair. Au revoir, fiston. Bonne chance, surtout. On m'a demandé de faire une conférence à l'Institut de Hartford. Vous connaissez? Oh oui, c'est l'école de Gallaudet. Ils souhaitent que je leur parle du langage visuel, en fait. Pour mieux vous convaincre d'appuyer le langage des signes. Vous vous opposez au langage des signes? Je préfère la parole, je préfère la participation active. Pourquoi devrait-on se limiter dans la vie? Vous ne croyez pas? Oui, c'est que vous me rappelez seulement quelqu'un. C'est une drôle de sensation de passer devant l'Institut de Gallaudet. Rempli d'enfants, mais pas un son ne peut y être entendu. Tout le monde en parle là-bas à Hartford. Monsieur, tâchez de faire vite. On regarde l'appareil. On ne rit pas, je vous prie. Très bien. Pourquoi lui enseigner?
Ne vous méprenez pas, Monsieur Bell. Je crois, voyez-vous, que les signes sont un merveilleux outil. Une fois que la voix et ses fonctions ont pu être établies. Professeur Bell, vous avez un visiteur qui arrive de Cambridge, un certain Monsieur Hubbard. Oh, ça c'est ma faute, j'en ai bien peur. Monsieur Gardiner Hubbard cherche un professeur particulier et j'ai pris la liberté de vous recommander. Il est sourd? Non, il est riche. Les leçons sont pour sa fille. Ah! Bon après-midi, madame. Monsieur Hubbard. Monsieur Bell, ravi de vous connaître. Le plaisir est pour moi, monsieur. Merci, Miss Fuller. Je n'ai qu'un moment, Bell, et j'irai droit au but. Ma fille a perdu Louis, séquelle de la scarlatine à l'âge de 5 ans. Elle est brillante et déterminée, mais sa voix est sans modulation et son articulation est molle. Elle sera bientôt courtisée et sa mère et moi, nous espérons pouvoir mettre toutes les chances de son côté. Oui, je comprends. Je vous paierai $5 la leçon tant que ça durera. Vous êtes très généreux. Roy Newton, c'est ça? 35 West, oui. Demain midi, nous y serons, monsieur. Mais demain, c'est samedi. C'est juste. Monsieur Bell, ma fille est terriblement entêtée. Tâchez de ne pas lui parler de politique ou de religion. Ou même d'affaires. Sublime.
vous en empêchera. Cheval, chien, lapin, zèbre. Chut, Alice, cible. Cible. Bon, maintenant. Demain. Dimanche. Je vous attendrai.
revoir. Au revoir, monsieur Bell. Êtes-vous monsieur Bell? Oui, mais je suis pressé, j'en ai bien peur. Vous n'avez besoin d'avoir peur. Thomas Watson. Mais oui. C'est pour le travail, mon contrat. Oh, c'est probablement une erreur, monsieur... Watson. Watson. Non, monsieur, sûrement pas. Alexandre Graham Bell, 35 Newton. C'est le 35, vous êtes Bell. Quand voulez-vous commencer? Vous désirez m'accompagner? Sur quoi croyez-vous juste que je travaille, monsieur Watson? Le télégraphe, il me semble. Êtes-vous par hasard envoyé par monsieur Gardner Hubbard? J'ignore son nom. Jolie canne, riche comme Crésus. Écoutez, si vous ne voulez pas de moi, dites-le moi, je connais bien d'autres façons de passer mon temps. J'en suis persuadé, monsieur Watson. Mais c'est bien toujours pareil. Quelqu'un a une bonne idée là-dedans, on me paie pour que ça marche. Ça ne marche pas. Sinon, quelqu'un, il me semble, l'aurait déjà inventé. Hein? Je vous assure, monsieur Watson, que l'invention sur laquelle nous travaillons, si nous travaillons ensemble, n'a pas été inventée. Bien. Et quelle est votre réponse, monsieur Bell? Oui, non, peut-être bien, quoi? Je vous attends mardi à 6 heures. C'est assez tôt, dites. Poste méridienne, monsieur Watson. Ah bon, le soir? Dites-moi, les enfants, qu'a fait Guignol cette fois? Il a pris le bébé. Non, c'est pas moi. Oui, c'est toi. Non, c'est pas moi. Je ne saisis pas un mot de toute cette scène sans vous. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Tant pis, mais je dois vous prévenir que tout ce que vous direz sera pris en note. Tout ce que vous direz sera pris en note et utilisé contre vous. Tout ce que je dirai sera pris en note. Tout ce que je dirai sera pris en note. Exact. Ton pantalon est trop court. Excusez-moi, monsieur, j'ai cru remarquer que votre compagne est sourde-muette. Elle est ma meilleure élève. À vous enseigner, alors? Aux sourds, oui. Quelle technique utilisez-vous avec ces pauvres créatures? J'utilise une combinaison du langage des signes et de la... Parole! Plusieurs personnes sont capables de saisir le système, malgré qu'elles soient sourdes et inaptes, comme moi. Mais ça bug. Est-ce pourquoi vous enseignez, professeur Bell? Pour pouvoir vous moquer de moi devant des étrangers? Oh, comment avez-vous pu oser le laisser me traiter de sourde et muette? J'ai parlé devant le Congrès des États-Unis quand je n'avais que 8 ans et sans votre aide. Adieu, monsieur. C'est inutile, monsieur Watson. Je n'arrive pas à séparer les tonalités. Mais il devrait marcher. Nous avons un émetteur, un récepteur. Même timbre. Un second émetteur, un second récepteur, même timbre, tous les deux, différents du premier. C'est ce fameux principe, vous savez bien... Vibration sympathique, le petit jeu, oui. Et voilà. Ce truc que vous faites, ça marche à tout coup? Oh oui. Chantez-moi un sol. Je vous en prie, monsieur Watson. Allez-y, essayez. Et de tous les récepteurs doit être parfait.
esprit parfait. Ils doivent être toujours accordés. C'est ce que j'en ai déduit. Mais comment y arriver? Messieurs, la difficulté avec Koenig et son autophonographe est la courbe relativement petite qui résulte de la friction qui se crée quand la pointe qui est là entre en contact avec la plaque de verre que vous voyez ici. Nous pourrions améliorer l'amplitude de l'onde si nous pouvions trouver un moyen de permettre à la pointe de vibrer à sa guise. Puis-je? N'est-ce pas? Dommage qu'on ne puisse enregistrer les résultats. Oh, mais quelle utilité pour mes élèves? Enseignants? Pour les sourds. Et ça peut aider, dites-moi. Eh bien, c'est qu'il leur est presque impossible, comment dire, de différencier certaines lettres, comme P et B, vous voyez? Ouais. Mais ça donne une distinction de forme et une couleur aux lettres, alors ils verraient la différence. Ah, excusez-moi, monsieur. Alexandre Graham Bell. Clarence Blake. Vous risquez d'obtenir de meilleurs résultats avec le phonautographe. Plus prometteur. Si vous éleviez l'amplitude, alors la forme serait permanente, n'est-ce pas? Un langage visuel, vraiment? Langage visuel, pas mal, j'adore ça. Mais je dois en savoir un peu plus long. Les réactions auditives, les modèles de langage, la traction de la membrane... Il vous faut un cadavre, monsieur. C'est si agréable de rencontrer enfin un confrère. Trop de gens regardent les étoiles. Trop peu veulent savoir ce qui se passe en dedans. Et c'est là qu'est l'émerveillement. En dedans, pas là-haut. Bon. Vous voyez, la membrane du tympan. Et là, c'est le tympan, n'est-ce pas? Et la série d'osselets, évidemment. Ce que nous savons, c'est que le son voyage par impulsion, comme les vagues sur un étang. Vous me suivez, n'est-ce pas? Nous savons aussi que le son frappe cette petite membrane qui se met à vibrer. Et active alors les osselets qu'on voit là. Exact. C'est un peu plus compliqué là-dedans. Ce que le phono-autographe devrait faire, c'est bouger la pointe avec assez de force pour surmonter la friction du verre. Oui. Si la membrane de l'oreille peut faire bouger ses os, c'est parce que... La nature a toutes les réponses. Puis-je l'emprunter? L'oreille? Mais bien sûr, oui, ce n'est pas ça qui manque. Monsieur Bell, mais Bell a décidé de ne pas continuer à suivre ses cours pour le moment. Je crois que ça vaut mieux. Madame Hubbard, je crois qu'il me faut vous dire que mon intérêt pour ma chère Mabel s'est transformé en un émoi très profond. Et quoi que je sache que ce n'est guère approprié, mais en fait, je l'aime d'un amour profond. Oh, elle est bien trop jeune, je refuse que vous le lui disiez. Je vous en prie, je ne veux pas vous décourager. Vous êtes un merveilleux professeur. Mais votre comportement dans ce parc... C'était inexcusable. Alec, vous avez consacré votre vie aux sourds. Votre temps, vos sentiments... Je me demande si vous pouvez distinguer clairement entre la compassion et l'amour auquel ma fille prétend, vous voyez.
Elle se méfie de votre affection. Puis-je la voir ? Je suis navré. Je crois qu'il vaut mieux partir. Ned peut vous raccompagner si vous le désirez, Monsieur Bell. Les trolleys de Monsieur Harbour ne sont guère sûrs. Je serai au Canada durant quelques mois. Mais je reviendrai. J'aimerais que Mabel apprenne à mieux me connaître avant de décider que je ne mérite pas sa confiance. J'aimerais qu'elle puisse me dire ce dont elle se méfie. Et je verrai à changer. Je sais que j'ai des faiblesses. Je suis loin d'être parfait. Mais je veux qu'elle sache que je changerai. Et je veux qu'elle sache que je n'abandonnerai jamais le combat. Et j'amenderai ma vie. Madame Hubbard.
Votre voyage ? Très instructif. Écoutez, j'ai dû discuter avec Monsieur Williams il y a une semaine. Cette invention est tout simple. Je veux que vous m'écoutiez, sans m'interrompre. Ça ne marchera pas. Oui, je sais. Ah oui ? Mais ceci, oui. Quoi ? Bon, on sait que le son fait vibrer la membrane de l'oreille interne, produisant ainsi une fréquence, bien sûr, qui a les mêmes caractéristiques que le courant électrique ondulatoire. C'est bien cela. J'en sais très peu, moi, sur les oreilles. C'est pas vous exactement mon rayon, en fait. Allons construire une telle membrane en y attachant une lame de métal qui réagira de la même manière que les osselets dans l'oreille. Lorsqu'elle sera stimulée acoustiquement par la voix humaine, la membrane vibrera de même que la lame de métal et induira ainsi un courant électrique ondulatoire dans un fil enroulé autour d'un aimant. Et à l'autre bout de ce fil, le processus est inversé. Le courant fera fluctuer la force du champ électromagnétique qui fera vibrer la lame de métal sur une autre membrane, ainsi recréant le son original, puis ses vibrations. Un fil qui parle. Monsieur Hubble paye pour le télégraphe multiple ? Au diable, ce projet de télégraphe. Sur le numéro 3. Examinez l'ange. Peut-être bien qu'elle est coincée sur le pot de l'électroaimant. J'aimerais voir. L'ange de mon émetteur vient de vibrer à l'instant, mais je l'avais coupé du circuit. Peut-être bien un résidu de champ magnétique, monsieur. Faut croire qu'il en faut beaucoup moins qu'on le pensait. Recommencez, frappez à nouveau. Dites, monsieur Bell, est-ce qu'on pourrait... Quoi ? Que se passe-t-il ? Je l'ai entendu. Votre ange. Pas seulement le son, mais le timbre. La qualité d'une symphonie. Tout comme la parole. Oui, le son là-bas est exactement le... Watson, oui. Monsieur Watson, je crois que vous ne connaissez pas Miss Hubbard. C'est un plaisir, Miss Hubbard. Vous nous excusez un petit moment, Monsieur Watson. Ça va, Monsieur Watson. Tout le monde pense que je suis de Brooklyn. Mais je suis tout simplement sourde, en fait. Oui, madame. Ce ne sera pas long. Le Canada, est-ce différent ? On sert de plus petites portions. Désolée que ma mère vous ait dit que je me méfiais de vous. Vous aviez raison. J'ai été fat et futile et cruel et égoïste. Et si fier de vous. Vous vous négligez, regardez-vous. On vient de faire une percée. J'ai entendu un son sur un fil. Oh, allez!
contre vous, Alec. En fait, c'est que... j'ai peur, je crois, de... Ah, là, c'est mieux. Ah, oui, et j'ai peint ce tableau. Je crois qu'il reflète bien vos habitudes nocturnes. Il vous plaît, dites? Je l'aime beaucoup. Vous êtes monsieur invité pour le dîner jeudi. Mon père en serait ravi. Moi aussi. Je suis très déçu de constater votre manque d'intérêt pour les recherches en télégraphie. Watson et moi pensons tous les deux que la transmission vocale ou l'articulation... Je sais ce que vous soutenez, mais votre esprit s'égare dans toutes ces nouvelles idées biscornues qui vous passionnent. Par conséquent, vous n'accomplissez rien qui vaille pour personne. Et vous travaillez en dilettante, Belle. Voyons, père. Bien navré que vous n'aimiez pas ma profession. Et quelle est donc votre profession, Monsieur Bell? De publiquement ridiculiser ma fille au nom de l'enseignement, c'est ça? Ou peut-être d'utiliser l'argent que j'ai investi pour faire des expériences aucunement reliées au télégraphe multiple? Gardner, je vous en prie. Il vous faudra faire un choix. De... quel choix s'agit-il? Continuez vos frivoles expériences d'une part... ou de faire valoir vos sentiments envers ma famille. Monsieur Hubbard, en ce qui concerne nos relations d'affaires, nous pouvons y mettre fin immédiatement. Mais sachez ceci, je crois que dans 20 ans, le télégraphe, le quadruplex et même tous les télégraphes seront complètement dépassés pour être remplacés par un fil qui parle. Et le fait que ce soit moi ou un autre qui l'invente est sans aucune importance. Puisque je tiens, monsieur, d'abord et surtout, à enseigner aux sourds. Veuillez m'excuser, Madame Hubbard. Comment as-tu pu être aussi grossier? Je vous aime davantage que quiconque, sauf ma mère. Et si cela peut vous satisfaire alors, eh bien je consens à me fiancer à vous à l'instant, monsieur. Je manque en fait d'expérience et c'est... ah, c'est dans ma nature. Je vous aime exactement tel que vous êtes. Ma, ba, ba. Ma, c'est vous, Watson? Venez voir ce nouveau modèle. Belle. Monsieur Hubbard. Je suis parfois une parfaite tête de mule. Bien souvent, même. Mais j'ai toujours compris ce qu'était le progrès. Vous dites que cette chose, ce télégraphe qui parle, est réalisable? C'est inévitable. Bon, eh bien, il faut tout noter. Ah, et je ne m'opposerai pas non plus à l'autre question. C'est vrai qu'il vous ressemble. Bonne chance, Alec. Mmh.
télégraphe ? Non, c'est plutôt les sons et leur transmission. Il a peut-être conçu une idée comme la vôtre. Faites-la breveter au plus vite. Elle n'est pas prête. Je la veux parfaite. Elijah Gray travaille avec William Morton de la Western Union. L'avenir de cette entreprise repose entièrement sur ce petit brevet, peu importe ce qu'il concocte. Ce n'est pas prêt. Monsieur Hubbard. Je souhaite enregistrer un brevet. Au nom de Monsieur Alexandre Graham Bell. Mais certainement. Nous verrons si rien ne s'y oppose et ce Monsieur Bell sera mis au courant de notre décision par télégramme. Bonne Saint-Valentin. Et bonne Saint-Valentin. Merci, Monsieur Gray. C'est écrit correctement ? Oui, c'est Elijah. Vous devez comprendre qu'il s'agit d'une demande de notification et non pas d'un brevet. Je sais, mais j'arrive à la mise au point finale. Ils disent tout cela, Monsieur Gray. Il arrive! Ah, Dieu soit loué, ce n'est pas trop tôt, avouez. Qu'y a-t-il? De bonnes nouvelles, j'espère. Votre demande a été acceptée. Aux États-Unis, brevet numéro 174465. Félicitations, Alec. En faisant cette demande, vous êtes allé à l'encontre de mes souhaits. Merci. Il faut faire en sorte qu'il fonctionne maintenant. Bon, voyons ce que ça donne. As I was lumbering down this street, down this street, down this street, a handsome gal I chanced to meet. Buffalo gal, won't you come out tonight, dance by the light of the moon. Buffalo gal, won't you come out tonight. Alors, dites-moi. Rien de très net. Voyons, si on changeait l'once fixe par une pièce de cuivre, et si ensuite on changeait... on mettait une aiguille de platine... Vous devriez essayer. Vous avez une plus belle voix que la mienne. Oui, d'accord. Allez dans l'autre pièce, et fermez la porte surtout. J'y vais. Watson, comme j'aimerais que vous veniez. Oui. Oui, ça marche. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit, Monsieur Watson, comme... j'aimerais que vous veniez. Ouais.
avait une telle foule sur les terrains du centenaire que je pouvais à peine respirer. Horton et Elisha Gray avaient installé leur télégraphe multiple dans un kiosque de la Western Union. Il fallait les voir tous les deux afficher leur suffisance. Ah, pardon. J'ai installé mon téléphone parlant, c'est le nom que je lui donne, le téléphone. J'ai installé mon appareil dans une annexe de l'édifice principal. Dis-leur à propos de Don Pedro. Ah, oui, oui. Ce fut remarquable. Voilà, l'empereur du Brésil traversait la pièce avec tout le décorum, avec les juges. Je lui ai demandé s'il accepterait de tenir le récepteur qui se trouvait à l'autre bout de la salle. Et alors, j'ai saisi le transmetteur et j'ai parlé tout bas. Être ou ne pas être, ai-je dit dans l'appareil. J'ai répété 6 fois au moins. Être ou ne pas être. Alors, toute la pièce s'est tue. Et tout le monde avait le regard fixé sur l'empereur qui lui criait « J'entends, j'entends !» Quel moment extraordinaire. Il est aussitôt venu vers moi, suivi de toute une cohorte de curieux, vous voyez, y compris Horton et Gray. Puis, la plupart des gens m'ont serré la main, sauf Horton, bien sûr. Don Pedro lui répétait ces mots « Être ou ne pas être !» Et Gray s'est penché afin d'examiner mon appareil. Je suis persuadé qu'il a murmuré. C'est là que j'ai à choper. Je n'y comprends rien. C'est très étrange. Pas un seul mot dans le journal Herald, rien non plus dans la presse de Boston. Oui, c'est étrange. Nous avons préparé une petite surprise. Montre-leur le téléphone, oui. Alec. Oui, M. Griffin a permis, et grâce aussi à Dominion Telegraph, en fait, que j'installe un fil de plus de 8 miles de Brantford à Paris, la ville voisine. Ce sera le premier essai sur une longue distance de ce genre de transmission, et j'espère que vous serez des nôtres. Papa? Oh, eh bien, je suis désolé. Excuse-moi, Alec, on m'a demandé de faire une démonstration du langage visuel. Poursuivons. Monsieur Griffin. Dites à M. Griffin d'ajuster la bobine à haute résistance. Ah, mais allons ! Oui, monsieur. Il dit qu'il faudrait que vous ajustiez la bobine à haute résistance. Ça y est. Allons-y. Oi, oi. Come gather round you sailor lads and listen to my plea. And when you've heard my tale, you'll pity me. I was a bloody fool, it's Portland. Liverpool, the first time that I came home from sea. Dites-lui que nous l'entendons. Ça y est, ils l'entendent. Oh, bragging, bragging men, they have taken her away. To walk upon that demon's cruel shore. She robbed so many sailors and killed so many whalers. And she'll never roam down my field anymore. Encore, encore. Allez-y, une seule voix, français, allemand. Allez-y, n'importe qui. Il veut une seule voix, n'importe qui, peu importe. Allez, vous voulez essayer? Allez, approchez-vous. Vous pouvez parler. Sagogachi, ska, na, ka. Dites-lui de réessayer. «
C'est du Mohawk. Dites au chef Johnson que son cousin se sent extrêmement bien. Et va vite vers les hautes terres, va vite vers le nord et prends place aux valeureux auprès des plus forts. C'est John McDonald. Mais c'est Jean McMurray, très clairement. C'est Jimmy Brown, j'en suis sûr. Être ou ne pas être. Remarquable. Félicitations, Alec. Bien joué, ah oui. Billy et Ted seraient aussi fiers de toi que ta mère et ton père le sont. Que Dieu te bénisse, mon petit. Ah, voilà le voile. C'est magnifique. Penche-toi, qu'on puisse bien fixer. Tiens, prends ça. Oh, tu as vraiment l'air d'un ange. Ah, mais doucement, ça tiendra. Tu es si belle, ma chérie. Dis, tu crois qu'il va pleuvoir? Non, il n'est pas question qu'il pleuve la journée. Ah, merci, bon, tu es prêt. Ah, comme je l'aime, mère. Et je peux le chanter. Monsieur Bell, vraiment, c'est impossible. Ah, mais tout est possible, Madame Hubbard. Je veux te les offrir. À part 10, les parts de la compagnie sont à toi. Alec, non. Et je ceci. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? Un téléphone. Alec, assez. Alec, vous devriez lire ceci. La Western Union conteste le brevet. On pourrait tenter de vous discréditer. Ça suffit maintenant. Vite à l'hôtel. Tout le monde nous attend. Tout le monde quoi? C'est ridicule! C'est une chose que d'inventer, et c'en est une autre de prouver qu'on l'a fait. C'est l'Amérique, Alec. Et vous, vous y ferez. Ah, ma chérie.